les gars, ça part sur un bateau. Africa Twin m'amène. Aïe aïe aïe. Putain. Donc je disais, Africa Twin les gars, c'est un bateau. Oh, cette sensation sur la route, quand t'es sur la route. Oh, oh les gars, oh là là, c'est tellement haut, c'est tellement large. What the fuck, moi qui ai toujours rêvé de cette moto. Oh, oh là là, what the fuck. Par contre, tu sens que c'est un peu... qu'elle dirait pas non pour partir quoi. Ça a l'air d'être couple. Ouais, là, je suis encore une fois, je parle pas beaucoup parce que je suis un peu... pas stressé, mais... Oh, c'est coupleux, c'est... Par contre, oh, c'est trop bizarre, hein. Les gars, la position de conduite... la position de conduite, c'est pas mal. C'est intéressant. Vraiment, on verra... Sur le... Je pense qu'on va faire le même parcours qu'on a fait pour la Niken l'autre jour. Ah, je dis l'autre jour parce que vous, il y aura plusieurs vidéos. Moi, c'était plutôt dans l'après-midi, mais... Mais, ouais. On va voir en asmatant un petit peu comment il y a moyen de se faire plaisir avec ça. Mais c'est intéressant, vraiment, je sens que... Putain, et puis les cale-pieds, c'est vraiment pour des grosses bottes de cross ou de trail, là, les grosses bottes avec les pointes en métal. C'est pas dégueulasse, hein, putain. C'est gigantesque. Il n'y a pas de shifter, par contre, j'ai bien fait de pas essayer. Oh là là, tu sens que ça peut partir à tout moment. Ouh, le bruit. Alors, par rapport à la Niken, mais forcément c'est fait pour. Il y a la selle, mon dieu, c'est un fauteuil. Là c'est vraiment un fauteuil. C'est impressionnant comme... Je prends beaucoup moins le vent, bah oui, la bulle, j'espère d'ailleurs que ça va pas trop gêner, mais... Ah, ça craque mon seigneur. La bulle est beaucoup plus haute, enfin tout est plus haut. Hein. Je suis en quoi là? Je suis en 4. Ah le son! Alors petit défaut, enfin défaut, c'est une habitude à prendre, mais le klaxon et les clignotants sont inversés par rapport à ma street et à d'autres, beaucoup d'autres motos. C'est-à-dire que bah, vous avez vu tout à l'heure, j'ai klaxonné au lieu de mettre le clignotant. Putain! Ah, j'adore le son quand on ouvre comme ça là. Nique la conso, c'est pas mon essence. Ça tape un peu mais c'est raisonnable. Mais putain, il y a une petite reprise en 5 à 60. Aïe aïe aïe. Le son. On va pas se laisser entraîner par le coup. Oh, le clignot s'enlève tout seul. Trop bien. Oh là là, cette bécane. Le confort. Et le son. C'est un truc de ouf. Vous voyez là, moi je le... Bon, vous allez pas le voir, mais le vent il tape. Là j'ai visière ouverte, il tape dans la visière quand elle est ouverte. La voie elle bouge dans tous les sens. Putain, mais ça l'Africa Twin là, j'ai envie de prendre à droite et brrrr dans les... dans... entre les arbres là. Pas désagréable ce petit son. Ouais, je prends carrément pas le vent. Hein. La bulle elle fait bien son taf. Hein. Et le vent il tape au-dessus de mon casque, dans la visière qui est ouverte. Donc clairement, pour ça c'est top. Hein. Putain. Ça c'est pareil avec l'Africa là.
tout droit sur le rond-point. Tout droit, ma belle. Ah, ça a l'air d'être très joueur. Je suis fan du son, j'arrête pas de le dire, mais... Je passe même pas la 6 parce que ça sert à rien. Ah, le tracteur. Là, c'est pareil. Là, t'as une Africa, là, tu prends... Regardez. Tu prends à droite, là. Boum, gaz en grand dans le chemin. Ah ouais, non, c'est... Ça a l'air d'être une super bécane. Après, c'est pas des essais qui permettent de se faire un vrai avis, voilà. Mais en tout cas, c'est une chouette bécane au niveau de la... Après, la position de conduite, je suis un peu trop sur l'avant, étonnamment, par rapport à la Nikken où j'étais mieux droit. L'Africa Twin, je suis un peu plus sur l'avant. Oh, c'est gigantesque! C'est gigantesque, c'est un truc de ouf. Ah, ce son! Mais si j'avais ça, mais je passerais mon temps à faire ça! Là, elle est super bien suspendue. Je ressens quasiment pas les vibrations de la route. C'est un plaisir de conduire. Vraiment là sur les petites irrégularités, bah, je sens que voilà, il y a quelque chose, mais je sens aussi qu'elle est bien suspendue, quoi. Pas désagréable du tout. Après maintenant on est sur des motos bourrées d'électronique et d'aide à la conduite diverses et variées. Encore que là c'est pas des suspensions pilotées. C'est pas des suspensions pilotées, mais elle est super bien suspendue. Confort. Wow. Oh, le plaisir. Bon, c'est pas fait pour, hein. C'est pas une moto faite pour s'inscrire en courbe comme ça, mais malgré la grande jambe de 21 à l'avant, ça, putain, ça marche bien. Oh là là, elle est partie tout seule dans la courbe. Ah, elle fait des paffes et tout. Oh, tu sens que ça en veut, mais... Là, je suis quoi? Je suis à peine 3000 tours. Si j'ouvre en grand, ça décolle, hein, c'est sûr. Waouh, c'est... En fait, ce qui est impressionnant, c'est le couple. Tu sens que ça, tout, ça peut partir très vite. C'est vraiment top. Et quand je vois comment le gendarme devant, il bouge avec la... Avec les bosses sur la FJR, putain, mais moi, mais. Un plaisir. Ça chante bien. Il n'y a pas à dire, ça chante bien. Ça chante très, très bien, même. J'aime beaucoup. Ah, là, les. Et le clignotant qui reste allumé en fixe comme les bagnoles américaines. C'est classe ça. Je parle pas beaucoup hein, pendant les essais, mais après je crois là elle est montée en pneu, parce que je vois que ça tremble un peu. Mais je crois elle est montée en pneu trail quoi, qui permet d'aller dans les chemins, hein. C'est pas des pneus de route. Donc il y a des petites vibrations dans le guidon, mais ça c'est les pneus ça. Ah, elle fait des paf paf. Ouais, ça pue. Après, ouais, le problème de... Alors certes, c'est super de pouvoir essayer des motos comme ça. Le seul souci, c'est que le parcours est pas... Voilà. Pour donner un avis franc et honnête, le parcours est pas assez sinueux, permet pas de vraiment se faire une idée sur les motos, notamment en cours. Ah, sur les petites bosses comme ça, c'est... ça se coupe, mais c'est pas... C'est pas tape-cul quoi. Vous voyez là, la bouche d'égout, ça a claqué un petit peu, mais là je passe la suite avec le street, ça fait baba. Là ça, l'amortissement est vraiment pas mal. Après moi je vais que donner mon avis de profane et je suis loin d'avoir testé beaucoup de motos. Je suis loin de connaître bien les motos, mais voilà. Je vous donne vraiment l'espace de 10 minutes, un quart d'heure là, mon avis sur Africa Twin.
Alors c'est la standard, c'est pas la GT, je sais pas quoi, Adventure là. Oh, la montée de Dodan sur l'Africa, les gars, c'est un plaisir. Oh là là, le son! Bonheur. C'est trop bien. Ah, le son il est ouf hein. Le son il est. Et encore on roule tranquille mais le son il est magnifique hein. Pour de l'origine